en entreprise. Le travail, il n'est pas fini. Et donc, c'était important qu'il y ait des endroits qui existent pour les plus jeunes, ceux qui sont dans l'emploi depuis longtemps et qui n'ont jamais pu en parler. Il y en a qui sont dans le placard parce qu'ils pensent que ça va les désocialiser dans leur entreprise d'en parler. Et là, ce soir, il y a plein de personnes qui se disent qu'en fait, c'était plutôt une bonne chose d'en parler, que c'est plutôt pas mal de se retrouver pour se dire comment on peut être utile aux autres. Parce que ce soir, il y en a beaucoup qui vont bien. Et c'est important qu'on se parle entre nous de comment on peut aider ceux pour qui ça se passe moins bien. Oui, je crois que c'est important cette idée de rôle modèle. C'est important cette idée, quand on est en situation d'être visible, de se dire que d'agir à la vue de tous, eh bien ça peut aider beaucoup. Moi, j'avais l'impression que tout le monde savait. En fait, tout le monde ne savait pas. Et le fait de le faire très publiquement, ça fait que les gens en ont parlé. Et j'ai reçu des milliers de témoignages de gens qui m'ont dit merci. Je trouve que le réseau en lui-même est important. Et je trouve que l'initiative de rassembler différentes entreprises qui peuvent venir échanger et partager de leurs best practices en la matière, c'est quelque chose d'important et auquel j'adhère. Un message évidemment de diversité et d'inclusion. Pour Facebook, c'est extrêmement important. Chaque jour, il y a des dizaines de millions de personnes LGBT qui partagent leur vie, partagent leurs anecdotes, leurs joies, leurs peines sur la plateforme. Et cette visibilité, pour nous, elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui fait avancer les mentalités en partageant ces histoires. Un des premiers lieux de discrimination envers les LGBT, c'est évidemment les entreprises. Et on le sait, si on n'est pas out au travail, on a tendance à être plus malheureux, moins productif. Donc c'est extrêmement important de pouvoir être soi-même. L'arrêt des discriminations commence aussi, non seulement à l'école, dans la famille, dans la vie publique, mais aussi sur le lieu de travail. Donc c'est absolument incroyable que Têtu mène cette initiative et on est ravis d'être partenaire. Je suis ravi que Têtu s'implique sur ces sujets-là, qui sont des sujets très importants. Pour avoir passé beaucoup d'années dans des environnements anglo-saxons à l'étranger, je trouve qu'on est très très en retard sur ces sujets-là en France. Les témoignages qu'on a eus aujourd'hui le confirment. Je pense qu'il manque cruellement de rôle modèle LGBT en France. Si on avait eu davantage, c'est vrai que ça m'aurait permis de pouvoir être entrepreneur beaucoup plus rapidement et avoir plus de volonté que j'en avais et pouvoir m'identifier à des gens très clairement successful, en particulier dans le milieu de la tech en France où il y a très peu de rôle modèle.